En fait, un jour, c'est, je crois, je sais plus l'éditeur, des gens qui étaient assez proches d'Asmodée, qui disent à Marc, voilà, on a la licence 13, on veut faire un jeu dessus, on va faire un appel d'offres à plein de boîtes, et puis celui qui va faire le meilleur jeu, bah, c'est celui qu'on éditera. Sauf que le gars dit ça à Marc, qui s'endort complètement dessus, et genre, c'était 6 mois avant, Qui s'endort, le gars ou Marc? Marc? Marc ne m'en parle jamais. Et au bout de 6 mois, le mec lui dit, bah, tu sais, l'appel d'offres, c'est la fin, c'est demain, hein, il est prêt le jeu. Et Marc fait, merde, j'en ai complet. Oui, puis il fait, bien sûr, c'est prêt. Ouais, ça fait 6 mois qu'on bosse dessus, c'est super. Et donc Marc me dit, tiens, j'ai une surprise, ça fait 6 mois que tu travailles sur un jeu, mais j'avais oublié de te le dire. Donc t'as une nuit pour faire un jeu pour demain. De toute façon, bah, vu que t'auras travaillé qu'une nuit dessus, c'est pas celui qui sera pris, donc c'est pas très grave. Mais je veux pas quand même passer pour un con dire que j'ai oublié, donc fais un truc, une fulgurance dans la nuit, et puis voilà, et puis c'est pas celui-là qui sera pris. C'est celui-là qui a été pris. Donc, je ne veux même pas savoir quels sont ceux qui ont été refusés, parce que ça n'a pas dû être super super. Et donc, au final, mes délires de boulot entre 10 heures, parce que je me couche assez tôt, hein, donc j'ai dû travailler de 10 heures du soir à 1 heure du mat, j'ai tapé ça en Word, j'ai envoyé, et une semaine après, vous êtes choisis! Et là, j'étais. Bon voilà, et on voit quand même que ça a été drôlement réglé, hein. Et bon, ça a donné ce que ça a donné, hein. Pour tous ceux qui l'ont, 13 jeux de cartes. Comme je disais, j'ai pas honte de Miss Qui Pique, j'ai pas honte du jeu de course de Arthur et Minimoy. Surtout que travailler avec Besson, ça a des petits côtés bizarres, mais c'était plutôt une bonne expérience. J'ai fait un jeu de cette famille sur Atlantis de Disney, qui était aussi hallucinant de travailler avec Disney, c'était bizarre. Et j'ai même fait un jeu dont vous êtes le héros dans des boîtes de purée Vico, avec Gaspard le fantôme. Donc j'ai fait des trucs horribles, hein. Mais 13 jeux de cartes, c'est le must. L'apothéose. C'est l'apothéose. Voilà. Donc vous connaissez la vérité maintenant La sur 13 vérité jeux de vraie. cartes.